Tu es une adoration ce soir. Est-ce que tu peux faire avancer le ciel? Est-ce que tu peux faire avancer Dieu vers toi? Est-ce que tu peux t'approcher du trône céleste? Approche-toi par tes acclamations. Approche-toi par tes cris de joie. Tu as raison d'acclamer. Tu as raison de pousser les cris de joie. Tu as raison d'acclamer les seigneurs. Tu as raison de pousser les cris de joie. Il mérite plus que ça. Nous jeûnons pas seulement. Pendant que nous sommes en train de jeûner, nous sommes en train de le célébrer aussi. Pendant que nous sommes en train de jeûner, nous sommes en train de l'élever aussi. Pendant que nous sommes en train de jeûner, nous sommes en train de les louer aussi. Il mérite nos louanges ce soir. Il mérite nos cris de joie ce soir. Il mérite nos prières ce soir. Il est digne d'être révéré. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être honoré. Il est digne d'être célébré. Ce soir, Dans ta vie, ce soir, il mérite d'être exalté. Dans ta vie, il mérite d'être glorifié. Même si les choses ne marchent pas, mais cela n'empêche pas que Dieu puisse être glorifié. Même si les choses sont compliquées, cela n'empêche pas que Dieu soit élevé. Rabasayaboshe, kariyabasayaboshe, rababasantakoriyabashe. Même si tu es malade, ça n'empêche pas. Peu importe la maladie, pendant ces 10 jours, peu importe ta complication, peu importe tes pleurs, peu importe tes douleurs, pendant ces 10 jours, quand nous allons le célébrer, quand nous allons l'élever, quand nous allons l'exalter, il va briser toutes ces chaînes, il va briser tous ces problèmes, il va briser toutes ces influences maléfiques, il va annuler toutes les malédictions. Peu importe ton fardeau, peu importe ta charge, peu importe ce que le démon t'en fait porter, pendant ces 10 jours ici, J'insiste parce que je crois. J'insiste parce que je vois ce que Dieu fera pour toi pendant ces 10 jours. Ah, j'ai mal parlé. J'ai dit fera ce que Dieu fait déjà. Rabasayaboshe. Entre dans une autre dimension. Ce soir, c'est notre premier jour. Dieu ne nous a pas appelés en vain. Si Dieu nous a appelés pendant ces 10 jours, c'est pour qu'il change nos vies. Les promesses sont là. Les promesses de Dieu sont accompagnées de réalisation. Les promesses de Dieu ne restent pas suspendues au ciel. Les promesses de Dieu doivent descendre avec les accomplissements. Ce soir, pendant ces 10 jours, je te dis vrai, peu importe ton problème, même si tu as manqué, ce soir, je viens t'annoncer, le Dieu de mer est vivant. Le Dieu des 40 jours continue d'agir. Le Dieu des 40 jours continue de donner. Le Dieu des 40 jours continue de restaurer. Ce soir, pendant ces 10 jours, ta restauration est possible. Ce soir, pendant ces 10 jours, ta bénédiction est possible. Ah, même si tu avais manqué hier. Même si tu as monté hier, crois-moi ce soir. Crois-moi pendant ces 10 jours. Dieu te donne. Il te donne. N'est-ce pas qu'il est écrit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent? C'est-à-dire, lorsqu'on le cherche, il vient, il se présente et il nous donne. Pendant ces 10 jours, crois-moi qu'il te donne.
donne. Pendant que tu acclames, pendant que tu dis Amen, il te donne. Pendant que tu acclames, pendant que tu pousses les cris de joie, il te donne. Ne l'attends pas seulement à la maison. Ne l'attends pas dehors. Ne l'attends pas au travail. Mais ce soir, dans sa présence, dans sa présence, dans sa présence, Anne a pu avoir Samuel. Non chez elle à la maison, mais dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Ce soir, pendant ces 10 jours, je ne te flatte pas. Je n'ai pas intérêt à te flatter. D'ailleurs, ce travail ne nous appartient pas. Ce travail appartient à Dieu. Comme ça lui appartient, c'est-à-dire, il va accomplir. C'est-à-dire, il va donner. C'est-à-dire, il va arrêter tes larmes. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps pleuré. Tu t'es beaucoup lamenté. Le Dieu des 40 jours. Le Dieu des 40 jours. Il est réel. Il est réel. Il est fort. Il est le tout puissant. Peu importe le démon qui t'entoure. Ce soir, il y a un seul nom. La Bible me dit, il y a le salut en aucun autre nom. Seul le nom de Jésus provoque le salut. Quand toi tu as cru en ce nom, pendant ces 10 jours, crois-moi, je suis convaincu. Je te transmets ma foi. Je te transmets ma foi. Le Saint-Esprit vient augmenter la foi. Rabasaya Boshe. Inda Rabasaya Boshe. Alléluia. Je sens la présence des dieux ce soir. La présence des dieux a inondé ces lieux. Ces lieux est inondé de la présence des dieux. Ces lieux est inondé. Quand nous étions venus, nous sommes venus avec nos problèmes. Mais la présence des dieux est en train de nous inonder maintenant. Ça nous inonde. Ça nous inonde. Ça nous inonde. Pendant que la présence des dieux nous inonde, nos problèmes. Nos problèmes sont en train de fléchir. Ce soir, que le Saint-Esprit ouvre les yeux spirituels pour que tu voies ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Rababa Santa Coria Bashe. Eza Rabasa Yaboshe. Alléluia. Ikaraba Santa Coria Bashe. Alléluia. Eda Rabasa Yaboshe. Alléluia. Ikaraba Santa Boshe. Alléluia. Rabasa Yaboshe. Alléluia. Je sais une chose. Nombreux d'entre nous. Nombreux d'entre nous, quand ils reçoivent l'appel d'une autorité, ils se précipitent, ils s'habillent, ils se parfument pour se présenter devant l'autorité, car ils savent que je ne sortirai pas de son bureau tel que j'étais venu. Ce soir, nous sommes venus, pendant ces 10 jours, nous sommes venus à la rencontre de l'autorité des autorités. L'autorité des autorités. Ils se disent autorité. Mais pendant qu'ils dorment, ils dorment dans l'incertitude. Car ils ne savent pas. Peut-être en dormant, ils vont partir. C'est pourquoi leur pouvoir est limité. Nous sommes venus à la rencontre de celui qui a la vie. Non seulement qu'il a la vie, mais il donne aussi la vie. Non seulement qu'il donne la vie, il nous fait vivre à cette vie. Rabasaya Boshe. Alléluia. Rabasaya Boshe. Sheka Rabasaya Boshe. Alléluia.
Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour cette atmosphère. Merci pour cette atmosphère. Merci pour cette atmosphère. Ça prouve que Dieu ne nous a pas appelés en vain. Ça prouve que Dieu nous a appelés pour nous faire goûter, pour nous faire expérimenter, pour nous donner ce que le monde ne pourra pas nous donner. Non seulement ne pourra pas nous donner, non plus pendant ces 10 jours ici, s'ils sont habitués de ravir, pendant ces 10 jours ici, nous croyons qu'ils ne vont plus ravir. Ils ne vont rien ravir. Ils ne vont rien ravir. Ils ne vont rien ravir. Ils étaient habitués. Quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu t'est guéri. Et quand tu rentres, ils ravissent la guérison. Ils remettent la maladie. Mais pendant ces 10 jours ici, 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 tu vas expérimenter cette guérison jusqu'à la fin de tes jours. J'ai dit jusqu'à la fin de tes jours. 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 Ils ne raviront plus rien. Ils ne raviront plus rien. Ils ne raviront plus rien. L'armée céleste s'est déployée. L'armée céleste s'est disposée pour te faire goûter. Pour te faire goûter. Pour te faire goûter, pour te faire vivre une nouvelle dimension de gloire. Une nouvelle dimension de gloire. Ces 10 jours ici sont pour toi. J'insiste, Ezaponayo. Amen. Sharabasaya Boshe. Merci, cher Saint-Esprit, pour ce temps. Merci, Seigneur, pour ces moments. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Parle-nous encore ce soir. Nous voulons t'écouter. Nous voulons te vivre. Car tu es là pour nous. Et nous sommes là pour toi. Nous croyons que nos vies sont transformés ce soir au nom de Jésus. Que toutes les voies maléfiques s'taisent à jamais et que toi seul tu parles à nos esprits dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. 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 Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Acclame, acclame, acclame. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Nous bénissons Dieu pour sa présence ce soir. Lui qui nous a précédés. Lui qui a institué ce programme de 10 jours. Il sait qu'il a quelque chose à nous donner. Nous disons aussi merci à notre Père pour cette opportunité qu'il nous accorde. Nous disons merci à Papa Saint-Fou, nous disons merci à Maman pour le conseil qu'il nous donne à chaque instant, qui nous permet de rester dans la présence des dieux. Nous vous disons aussi merci d'être là ce soir, parce que Dieu fera quelque chose dans ta vie. Je rectifie ma phrase. Dieu a déjà commencé à faire quelque chose dans ta vie. Papa Michel va nous trouver oser chapitre 6, verset 1. Beaucoup y a osé mon capoin motoba mulongo y a liboso. Il va encore après osé, il nous lira encore Galates. Merci ma beaucoup a osé, ma routine est sur beaucoup à Galatia. Chapitre 5, verset 7. Mais elle commence d'abord par osé. Mon capoin metano mulongo nasambo. Osé 6, le premier verset. Osée chapitre 6, verset 1er. La Bible déclare : Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Amen. Amen.
Galates chapitre 5, verset 7. Galates chapitre 5, verset 7. Oui. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Galates 3, verset 1er. Galates chapitre 3, verset 1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Amen. Amen. Notre grand thème de ces 10 jours s'intitule Donne-moi cette décennie. Mais ce soir, le Saint-Esprit nous oriente que nous puissions parler d'un sous-thème que nous avons intitulé Retournons à l'Éternel. C'est ça le sous-thème que nous allons exploiter ce soir. Bien-aimés, nous sommes là dans le cadre de nos 40 jours de prière que nous avons eu en 2020. Nous avons eu ces 40 jours pour que nous puissions préparer la décennie 2020-2030. Nous avons eu à prier pour recommander à Dieu nos 10 ans des grands enjeux. C'est une décennie de bâtisseurs. Et comme c'est une décennie de bâtisseurs, nous sommes dans l'obligation de bâtir, vouloir ou pas. D'une manière ou d'une autre, nous sommes dans l'obligation de bâtir. Et comme Dieu t'a choisi, que tu viennes dans cette église pendant cette décennie, impérativement, tu dois bâtir. Répète après moi, impérativement. Je dois bâtir. Impérativement, je dois bâtir. Peut-être tu n'as pas participé pendant le 40 jours de 2020. Mais comme Dieu t'a conduit dans cette alliance de l'église Mera, et tu es venu pendant que nous bâtissons cette décennie, je crois bien que tu bénéficieras aussi de toutes les promesses qui ont été dites pendant les 40 jours de 2020. Et comme Dieu tient à ce que nous ne puissions pas finir ces 10 ans sans pour autant que nous puissions voir, sans pourtant que nous puissions expérimenter, il nous a encore convoqués pendant ces 10 jours de jeûne et prière. Des moments forts de louange, des moments forts des prières, des moments forts de visitation. Comme nous l'avons dit, notre grand thème s'intitule Donne-moi cette décennie. Bien-aimé, quand on demande quelque chose, on suppose qu'on ne l'a pas. Ou soit on a la chose, mais de manière partielle. On n'a pas la chose totalement. Or, pour avoir quelque chose de la part d'une personne, on doit être en contact avec la personne. Ce contact doit être physique ou soit spirituel. Pour que ton donateur, celui qui te donne quelque chose, puisse facilement te l'accorder, il faut que tu puisses être en contact avec lui. Or, pendant cette décennie, c'est lui qui nous donne, c'est Dieu. Comme c'est lui qui nous donne, nous sommes dans l'obligation d'être avec lui, de vivre avec lui. C'est pourquoi il y avait une femme dans la Bible qui avait demandé à Jésus de le secourir. Mais Christ lui dit, il n'est pas permis ou il n'est pas bon de donner le pain des enfants
au chien. Pourquoi? Parce que le chien ne vivait pas en harmonie, ne pouvait pas, ou ça ne vivait pas en harmonie parfaite avec les enfants. C'est pourquoi le pain des enfants ne pouvait pas être donné aux chiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on m'a informé que je devais prêcher aujourd'hui, je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il faut dire au peuple de Dieu? Quel est le thème que je peux aborder? Au milieu de la nuit, le Saint-Esprit vient me parler. Il me dit, dis à mon peuple de me retourner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit me le dit. Bon, deux fois, quand je prêche, j'ai des débats avec ma femme. Elle me dit souvent, Alléluia. Amen. Alléluia. Au-delà du ministère évangélique que Dieu nous a donné, nous devons être aussi à l'écoute du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas le peuple de l'apôtre Christophe. Vous êtes le peuple de Dieu. Pour cela, Dieu doit vous envoyer la parole en fonction de vos problèmes. Alléluia. C'est pourquoi j'aime me soumettre à ce que Dieu me dit. Même si deux fois, mais je me soumets à la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant les 40 jours de l'année 2020, Dieu s'est puissamment manifesté. Dieu a agi puissamment. Nous avons vu des délivrances. Nous avons vu les miracles. La puissance et la force de Dieu, nous l'avons expérimenté en ces lieux. Alors d'autres se posent des questions. À chaque jour qu'il y a culte, je suis toujours là dans la présence des dieux. Que j'ai de l'argent ou pas, je me présente toujours devant Dieu. Je suis toujours à l'église. Mais cela ne suffit pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le problème est que notre présence physique ne suffit pas. Dieu ne compte pas seulement la présence physique. Dieu veut aussi que notre cœur, nos pensées puissent être complètement liées à lui. Complètement et étroitement liées à lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans Osée, le prophète Osée dit, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera. Pourquoi le prophète Osée a parlé de ces histoires? Le prophète Osée avait réalisé que le peuple de Dieu s'était un peu détaché de Dieu. Ils se sont détachés de Dieu de plusieurs manières. Les peuples s'étaient refroidis. Les peuples avaient perdu la foi. Les peuples avaient perdu la détermination. C'est pourquoi ils s'étaient un peu égarés. Et Dieu vient parler à son serviteur. Son serviteur annonce la parole. Il dit, retournons à l'Éternel. Retournons à l'Éternel. Retournons à l'Éternel. Le peuple qui s'est consacré au monde. Le peuple a préféré suivre le monde. Ils ont voulu conquérir le monde. Ils avaient des promesses, mais ils n'ont pas vu Dieu.
Ils n'ont pas vu la réalisation de promesses. Ils n'ont pas cru en Dieu. C'est pourquoi ils se sont détachés de lui. Ils ont préféré suivre le monde. Ils ont préféré suivre les choses du monde. Les peuples qui étaient perdus, Dieu a prononcé son jugement sur eux. Mais malgré cela, malgré les jugements des dieux, Dieu avait aimé ce peuple. Dieu avait tellement aimé ce peuple. C'est pourquoi, pendant que le monde était dans la perdition, Dieu a envoyé son Fils unique. Dieu a envoyé Christ pour nous sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu t'est puni, il manifeste toujours son amour. Dieu n'est pas comme les pères de ce monde. Quand il t'est puni, il te rejette. Il t'enlève même de son héritage. Il peut même mourir sans pour autant te laisser hériter. C'est ça la colère diabolique. C'est ça la colère du monde. Dieu avait puni le peuple, mais l'amour, son amour était toujours sur eux. La faveur était toujours sur eux. C'est comme nous aussi. Nous nous sommes lassés de chercher Dieu. Nous nous sommes emportés par le découragement, emportés par les passions de la chair. Le désir de nos cœurs nous ont engloutis. Pourquoi? Parce que les promesses de Dieu tardent. Plutôt parce que la réalisation des promesses de Dieu tarde. Alléluia. 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 Là où il y a Dieu, il y a toujours la promesse. Deux fois Dieu agit directement sans pour autant avertir. Il y a deux fois où il donne aussi sans pour autant promettre. Ça dépend de lui. Et comme nous nous marchons avec ces dieux pendant ces 10 ans, il était dans l'obligation de nous promettre. Et nous aussi, nous sommes dans l'obligation de patienter. Tu t'es dit que j'ai prié hier, j'ai prié avant-hier, j'ai prié toute la semaine passée, mais Dieu n'agit pas. Dieu n'agit pas. Dieu ne donne pas. Bien-aimé, malgré tes souffrances, malgré tes peines, les dieux des mères n'abandonnent jamais. Les dieux des mères n'abandonnent jamais. Les dieux des mères n'abandonnent jamais. Moi-même, j'ai expérimenté cela. Je traversais un moment de difficultés, un moment de complications. Je pouvais manquer 100 dollars, mais je ne pouvais pas manquer à manger. Je pouvais manquer 200 dollars, mais je ne pouvais pas manquer quoi me vêtir. Pourquoi? Parce que les dieux de Mera n'abandonnent jamais. N'abandonnent jamais. Il peut t'empêcher d'avoir 10, mais il ne permettra pas que tu dormes affamé. C'est ça l'amour de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça la force de l'alliance de notre Église. Alléluia. Tu ne peux pas manquer Tsinasuka. Yes. Je ne sais pas si tu as aussi expérimenté cela. Tu ne peux pas manquer Tsinasuka. Tu peux manquer des grandes choses. Tu peux manquer une maison. Mais tu ne manqueras pas un lieu pour dormir. Alléluia. Alléluia. Tu peux manquer la guérison. Mais tu as quand même la force de marcher et venir à l'église. Alléluia. Alléluia. Tu peux manquer les réalisations des promesses de Dieu. Mais c'est Dieu des mères dans son amour. Il te donne quand même la force de le chercher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ces dieux? Le non-accomplissement des promesses de Dieu a blessé ton cœur. S'il faut aller plus loin, tu as un cœur peut-être meurtri. Tu as un cœur meurtri. Pendant que nous sommes en train de parler, papa, si Lisa quitta, tozo nganda kuto ya sou lobby. Ce que j'aime, c'est Dieu. Koya lobby wana koya,
C'est la motivation du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es fatigué parce que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas. Mais c'est Dieu dans son amour. Il ne permettra pas que tu ailles pécher. C'est pourquoi il te garde toujours dans sa présence. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour notre Dieu? Il y a même des ceux-là qui disent, oui, nous entendons des choses. Hein. Il y a des ceux-là qui disent, Nzambe na bina mère azar va préférer naï. Aussi vous les serviteurs, vous avez aussi vos préférés. Alléluia. Amen. Alléluia. Azar Nzambe na biso nyoso. Ozo lo ba mente pour nanini. Azar Nzambe na biso nyoso. Tu as longtemps accusé les hommes de Dieu. Tu as longtemps accusé les hommes de Dieu. Bon, on admet quand même. Nous, on est humains. Nous sommes les hommes. Nous pouvons avoir des préférences. Mais les dieux qui t'a appelé ici, les dieux qui t'a choisi, les dieux qui marchent avec toi, n'a pas de préférence. Alléluia. Alléluia. Quand il a parlé, il a parlé pour tout le monde. Il a parlé pour tout le monde. Et comme il a parlé pour tout le monde, toi aussi tu fais partie de tout le monde. Quand tu fais partie aussi de tout le monde, toi aussi tu expérimenteras la main de Dieu. Alléluia. 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 Ne pense pas que les promesses de cette décennie sont devenues des fables. Des paroles de plaisanterie. Dieu ne peut pas plaisanter avec nous. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dictateur. Il n'est pas, vous comprenez, un dictateur. Il n'est pas non plus autocrate. Dieu est dans sa parole. Il est dans ses principes. Alléluia. Amen. On a tendance à dire que Dieu est dictateur. Dictateur, il te laisse le libre choix. Un dictateur. Namboko va dakufana ba veste na ba chambre na bango. Pour dictateur, il n'y a pas question à cravate à bas coût. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ozala nani. Ato lingara cravate minga bas coût. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Les promesses de Dieu ne sont pas de fables. Dans d'autres personnes, le diable a semé d'autres évangiles. L'évangile que nous annonçons du haut de cette chair, pour eux, ça ne passe pas. Ils ont d'autres évangiles. Ils ont leurs paroles. Ils ont leurs prédicateurs. Pendant que nous prêchons ici, son prédicateur à lui, son prédicateur fidèle à lui, lui donne un autre verset. Alléluia. Alléluia. Et pendant qu'on parle ici, lui, il est concentré. N'a versé au prédicateur en apécié. Pendant ces 10 jours ici, j'ai pris au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit te libère, te sépare de ces prédicateurs maléfiques qui vient semer son évangile en toi pour te détourner de la volonté de Dieu. Pour preuve, pendant l'année 2021, à chaque fois qu'on nous convoquait pour que nous puissions venir prier pendant le 3 jours, on faisait le plein ici, hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on faisait le plein ici? Parce qu'au plein, on est qui? Ce sont les mêmes personnes qui viennent. Or, si tu te fatigues, c'est ton problème. On marche comme ça, avec les 3 jours, jusqu'en 2030. Alléluia. Amen. Je t'ai pris. Na bonde lio. Au rejoindre Bisso. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, vous couriez bien. Papa Michel, relisez-nous un peu le texte là. Galates 5.
Galates chapitre 5, verset 7. Galates chapitre 5, verset 7. La Bible dit, vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Qui vous a détourné? Qui vous a désorienté? Est-ce le découragement? Est-ce le problème? Est-ce le péché qui vous a amené loin de la face de Dieu? Qui vous a amené loin des promesses de Dieu? Vous couriez bien. Vous couriez bien. Vous couriez bien. Qui vous a parlé d'autre chose? Qui vous a expliqué autre chose? Pose la question à ton voisin. Qui t'a désorienté? Alléluia. Tout n'a répondre à yo. Qui t'a désorienté? Je vais encore enfoncer le clou. Qui t'a envoûté? Papa Michel, lisez-nous Galates 3, 1. Partie A. Galates chapitre 3, verset 1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? S'il vous plaît. D'autres versions de la Bible ne disent pas fasciné. D'autres versions de la Bible disent qui vous a ensorcelé. Fasciné wana kuna. Alléluia. Amen. Fasciné wana kuna. Bon abiso na mère à discours, na biso qui vous a ensorcelé? Surtout tout na voisin na yo. Qui vous a ensorcelé? Vous autres na bien té. Bon vous êtes tabou pas na biso. Tout na qui vous a ensorcelé? Vous couriez bien. On avait bien commencé à prier pendant les trois jours. On était fidèles. Mais je ne sais pas si ce sont nos problèmes, nos insuffisances qui ont fait assez que nous puissions arrêter de courir. Que nous puissions un peu nous dérouter. Que nous puissions un peu quitter la volonté de Dieu. La promesse est là. La promesse est là. Mais ce toi et moi, ce toi et moi, n'est pas là. Pendant ces 10 jours ici, Dieu veut assez que tu reviennes sur le bon chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Osée s'est rendu compte que le peuple de Dieu était déjà fatigué. Mais Dieu, dans son amour, il désirait toujours bénir son peuple. C'est pourquoi, pendant ces 10 jours, Dieu, étant le gardien de ses promesses, il veut à ce que nous puissions être bénis. Mais avant que nous puissions avoir la décennie, nous devons d'abord retourner vers lui. Alléluia. Christ pouvait le dire. C'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Pour toi, tu n'es pas avec nous. Comment tu veux expérimenter nos choses? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, Dieu veut que nous puissions être ensemble. Dieu veut que nous puissions être ensemble. La Bible dit, venez et retournez à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. C'est une promesse pour nous. C'est une prophétie pour nous. C'est lui qui a déchiré, mais il nous guérira. Si on retourne, si on vient, on retourne, il a déchiré. Il nous a déchiré, il nous guérira aussi. Il t'a déchiré, il te guérira aussi. Il t'a affaibli, il te fortifiera aussi. Il a permis, il t'a laissé tomber, mais il se soir, pendant ces 10 jours, il te relève pour que tu puisses marcher avec lui, pour que tu puisses expérimenter les promesses de Dieu.
Ce soir, je te parle avec beaucoup d'assurance. Je te parle avec beaucoup d'assurance. Dieu est là. Pendant ces 10 jours, Dieu est là. Cette décennie nous appartient. Cette décennie est à nous. Cette décennie est à nous. La présence de Dieu est là. Tu peux aussi le ressentir. Quand tu ressens la présence de Dieu, accepte que les promesses de Dieu vont s'accomplir. La présence de Dieu, tu ne peux pas la ressentir et rester seulement comme ça. Quand tu ressens la présence de Dieu, quand tu reçois la présence de Dieu, ça crée en nous la foi. Ça crée en nous le vouloir de chercher Dieu. Ça crée en nous le vouloir de nous approcher encore de Dieu. Et quand on s'approche de Dieu, il accomplit ses promesses. Il accomplit ses promesses pendant ces 10 jours. Pendant ces 10 jours. Mère, revenons à Dieu pendant ces 10 jours. Mère, revenons à Dieu pendant ces 10 jours. Mère, revenons à Dieu. Il insiste pendant ces 10 jours. Mère, revenons à Dieu. Les promesses sont pour nous. Les promesses ne sont pas pour l'autre église. Ce n'est pas pour d'autres églises. Ce n'est pas pour les églises voisines. Ce n'est pas d'abord pour ton frère et ta soeur qui est resté à la maison. Non. Ils sont restés à la maison, mais les promesses de Dieu sont pour toi. Les promesses de Dieu sont pour nous. Et si les promesses de Dieu sont pour nous, Dieu doit impérativement l'accomplir. Et si Dieu l'accomplit impérativement, tu dois vivre la réalisation des promesses de Dieu. Ce soir, Dieu se tient devant ton cœur. Dieu se tient à la porte de ton cœur. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il te parle ce soir. Il te parle ce soir. Parce qu'il a quelque chose à faire pour toi. Crois-moi qu'il le fera. La chose qu'il veut faire pour toi, il te l'accordera. Mais seulement, retourne à l'Éternel. Seulement, reviens à l'Éternel. Il a déchiré, il guérira. Il a déchiré pendant ces 10 jours, il te guérira. Il t'avait ravi pendant ces 10 jours, il restitue. Il t'avait déclassé pendant ces 10 jours, il te remet sur place. Il ne te remplace pas. Il ne te remplace pas. Il ne te remplace pas. Dieu compte sur toi. Dieu sait que la bénédiction de l'église passera aussi par toi. C'est pourquoi il compte sur toi. C'est pourquoi il m'a envoyé te réveiller. Il m'a envoyé te dire, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les tentations, malgré les épreuves, il t'aime toujours. Il compte sur toi. Et comme il compte sur toi, il veut te relever pour que tu expérimentes les promesses de Dieu. Reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Ce soir, nous devons faire l'examen de conscience. Essayez un peu de nous examiner. Nous devons faire l'introversion pour essayer un peu de voir si nous sommes ce que nous avons toujours été pour Dieu. Rentre un peu en toi. Reviens encore en toi. Est-ce que tu continues de croire en ces dieux? Est-ce que tu continues de croire en la main des dieux? Regarde-toi encore. Regarde-toi encore. Est-ce seulement le corps qui est là? Est-ce seulement le corps qui écoute la parole des dieux? Ou l'esprit aussi est convaincu de ce que Dieu te dit? Si ce n'est pas le cas, reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Il a déchiré, il guérira. Il a déchiré, il guérira. C'est possible que tu puisses retourner ce soir. C'est possible que tu puisses retourner ce soir.
soir, tu n'as plus de force, mais ce soir, c'est possible qu'il te renouvelle sa force. C'est possible que tu renaisses. Peut-être spirituellement, tu étais déjà mort, mais c'est possible que tu puisses renaître spirituellement. C'est possible que Dieu fasse renaître un nouvel espoir en toi. C'est possible que de nouvelles choses puissent commencer. C'est possible. Ce soir, regardons-nous, considérons-nous comme des fils prodigues. Nous avons tout pris du Père. On était imprudents. Il nous a bénis, mais on a dissipé la bénédiction. On a mal utilisé sa bénédiction. Mais ce soir, comme le fils prodigue, revenant, en dehors de la face de Dieu, c'est la mort. En dehors de la face de Dieu, c'est la mort. En dehors de la face de Dieu, ce sont les échecs. Tu t'es découragé, le diable est encore affaibli. Tu t'es découragé, le démon t'en exclut. Mais ce soir, Dieu te fait grâce. Reviens. Même toi qui nous suis en ligne, peu importe là où tu es, ce soir, Dieu te demande de revenir. Ça, c'est ta maison. C'est la maison de ton père. Reviens. Non comme la pensée du fils prodigue. Est-ce que je serai encore attiété dans la maison de mon père? Lui, il s'est posé de questions. Mais ce soir, tu n'as pas besoin de est-ce que. Tu n'as pas besoin de te poser de questions. Ce soir, il m'envoie te dire, tu n'as pas à te poser de questions. Reviens. Cette promesse est pour toi. Comme cette promesse est pour toi, il veillera. Quand tu vas retourner, il veillera à ce que cette promesse s'accomplisse dans ta vie. Il n'a pas besoin de te perdre. Ce soir, le ciel est disposé pour toi. Ce soir, tu es disposé pour t'accueillir. Reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. C'est Dieu de cette décennie est très puissant. Il est très puissant. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui t'a découragé? Si ce sont le démon, il a vaincu le diable. Quelle est cette plus grande chose que notre Dieu ne peut pas vaincre? Parce que le diable a été vaincu. Avant que tu naisses, tu ne connaissais pas encore Dieu. Il avait vaincu le diable pour que toi, quand tu le connaîtras, tu continues de manifester la victoire. Quels sont ces problèmes? Qu'est-ce qui t'accable? Qu'est-ce qui t'enchaîne? Reviens. C'est possible que tu expérimentes aussi la parole de Dieu. C'est possible. Eliphaz a dit à Job. Job, reviens au Tout-Puissant. Reviens au Tout-Puissant Job. Et il te rétablira. Eliphaz n'avait pas la dimension de Job. Mais il a conseillé à Job. Il a dit à Job, reviens à l'Éternel. Il te rétablira. Et c'est vrai. Job est revenu au bon sens. Il a arrêté d'accuser Dieu. Dieu l'a rétabli. Le premier enfant de Job, leur nom n'était pas connu dans la Bible. Mais quand il est revenu à l'Éternel, Dieu l'a considéré. Dieu l'a accepté. Job a donné maintenant une progéniture connue. Avant, c'était lui seulement qui était connu. Mais après, quand il est revenu au bon sens, sa progéniture était connue.
Dieu a besoin de toi, mon frère. Dieu a besoin de toi, ma soeur. Il veut te rétablir. C'est possible qu'il te rétablisse. C'est possible qu'il te rétablisse. C'est possible qu'il puisse t'imposer. Derrière le temps, ta chaise de bureau, c'est lui qui l'occupe. Il ne connaît même pas Dieu. Mais Dieu a permis, quand tu n'étais pas là, qu'il puisse occuper cette place. Mais ce soir, si tu reviens, je ne te parle pas de la fin de l'année, je te parle de ces 10 jours, je te parle de ce soir. C'est possible que tu puisses occuper cette chaise là. C'est possible que tu puisses occuper cette place là. Cette place là t'appartient. C'est possible que le numéro 1 dise à cet homme là: en tout cas, nous te remercions. Tu as bien fait ton travail. Mais cette place n'attendait qu'une personne. Je pense. Non, j'ai oublié de te dire que tu faisais l'intérim. Or, quand tu m'avais engagé, tu ne m'avais pas dit que je faisais l'intérim. Tu ne me l'as pas dit, chef. Ah, excusez-moi. Désolé. Je ne t'avais pas dit que cette place, tu faisais l'intérim. Ça ne t'appartenait pas. Maintenant, je t'informe que les dieux d'Israël, les dieux de la décennie, les dieux de ces 10 jours, les dieux de 40 jours, a rétabli le problème de la place. C'est pourquoi je te remercie. Laisse la place à la personne qu'il faut. Rabaché. Rababasaya Boshi. Alléluia. C'est possible. Qu'est-ce que ce Dieu peut te priver? La gloire, il donne. L'élévation, il donne. Pendant ces 4 années, nous avons expérimenté Dieu. Pour preuve, aujourd'hui, nous manquons de parking ici. N'est-ce pas qu'on a vu Dieu? En 2020, les voitures qui sont maintenant chez nous, il n'y en avait pas trop. Mais c'est Dieu qui marche avec son peuple. C'est Dieu. Je me souviens, en 2020, chez les planteurs d'âmes, on n'avait pas d'enfants. C'était une rangée où il n'y avait que les parents. Il n'y avait que les parents qui étaient là. Mais aujourd'hui, ce sont nos enfants qui nous embrouillent maintenant à l'église. Tout ça, c'est quoi? Les 40 jours. Dieu avait parlé. Il a agi. Les dieux qui ont agi, ils continuent d'agir. Pendant cette décennie, je demande déjà au service de protocole trouver d'autres places pour les frères qui se mettent derrière là. Parce que nous et nos enfants, nous allons occuper cette rangée. Je suis en train de le dire. Dieu de la chair, Dieu de la pour preuve, pour la Nisibana. Aux hommes, on a dit comment est-ce que Dieu agit. Je suis en train de voir ce que Dieu va faire. Je suis en train de voir ce que Dieu va faire. Quand vous le voyez circuler ici à l'église, ne dites pas que les enfants des serviteurs sont désordonnés. Ne dites pas que ma démon va papa dans va benganaka. Si tu les dis, tu pêches. C'est seulement pour que tu puisses voir comment Dieu agit avec nous. Je l'ai dit. Je ne pouvais pas le dire si avant 40 jours, on avait les enfants. Avant 40 jours, personne d'entre nous n'avait les enfants. Aujourd'hui, chez les planteurs d'âmes, nous en avons combien de gens? Il ne reste qu'un seul célibataire. Lui aussi, il va se marier. Il va nous suivre. Il est dans l'obligation de le faire. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes mariés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne crois pas en ce qu'il s'est dit sur chair, ce qu'on dit, t'as la garangée, Oyo.
C'est un témoignage. Alléluia. Amen. Je le témoigne. Je le témoigne. On était là. On était là. À l'intérieur. On était en train de nous consoler mutuellement. Dieu avait parlé. On a cru. Aujourd'hui, on n'est pas encore inondé. Ça, c'est rien. Protocole, j'insiste. Rangez Oyo. Bandego bo accompagner Abison à ranger Oyo. Je vous informe, yo no bosa na rambango. Problème no bosa na ranoki. Je t'informe comme ça ou ya ba biso geno. Au place des arbres on a rangé, on avait sauté. On a rangé va se planter à dame na ba na bango. Donc ce que ça mon zemba fanda na suka. Ça ne sera pas une discrimination. Mais ça sera un témoignage. Ça sera un témoignage. Les gens pourront se poser la question. Les gens qui viendront, ils vont se poser la question. Mais comment ces sept rangées sont occupées par les adultes? Maintenant, les rangées, il y a les adultes et les petits enfants. Comment vous pouvez associer les petits enfants avec les adultes? Dis seulement, ces petits enfants-là sont des signes, des prodiges, des miracles, des témoignages de cette décennie. Je me serais demandé à une personne ce soir, associe-toi à cette grâce. Associe-toi à cette grâce. Associe-toi à cette grâce. Même si tu n'as pas encore témoigné pour autre chose, mais au moins vous voyez nos enfants. Amen. Quand l'apôtre a annoncé, j'ai demandé un signe à Dieu que pendant les 40 jours, que les femmes puissent tomber enceintes. Oui, si Yambou les a facile. Hein. Alléluia. Amen. Si Yambou les a facile. Kozoazemi, na période à jeûne. Pour ceux qui sont médicalement parlant, bah expliquer que non pour moutou, pour mon bal yapé sa zemi, il faut en avoir protéines, il faut en avoir vitamines. Si vous avez 40 jours, vous avez 40 jours, vous avez 40 protéines, vous avez 1000 litres, papa s'info. Si vous avez 1000 litres, vous avez 1000 unités. C'est-à-dire, médicalement parlant, nous les hommes et nos femmes avaient des insuffisances. Médicalement parlant. Mais comme la parole était sortie, comme la demande était faite, comme c'était un signe d'alliance, ce n'était pas un signe de n'importe quoi, un signe d'alliance que Dieu est avec nous. C'est pourquoi Dieu nous a visités en désordre. Et on ne va pas arrêter. Il va nous visiter en désordre. Il va nous visiter en désordre. Maintenant, toi, associe-toi à cette grâce. Associe-toi à cette grâce. Peut-être tu es venu à peine 2 ans à Mera. Je t'informe, avant 2020, il n'y avait pas un tel parking. Et bientôt, pas bientôt, on n'a plus de parking. Si vous avez mis sur un molimo, et remonte à la kuna. Alléluia. Amen. Et remonte à la kuna. Si vous êtes dans la carte à bureau, na biso na carte ya apostola, mis sur na biso, et est à la kuna. Nabi va ta kuna be basambela na biso. Amen. Mais ça n'a aucun problème t. Et ça m'a ramené. D'ailleurs, route bata kuna va sambela na biso. Baza appelé ortika la kuna te. Faut pas bala ba kende. Ce que tombe à peut-être à te tant bon ba bala ba kende. Biso ce que tu as implanté hôtel à mera kuna. Amen. Ce qui peut toquer na méchant, il y a mon limo. Ce toquer na méchant mon limo, tu traverser sous kuna. Alléluia. Amen. Pendant que je suis sur l'autre avenue, je ne vois pas de très grandes maisons. Dieu sait pourquoi il ne permet pas ce qu'on construise. Il sait que l'église mère va acheter l'avenue là derrière. On mettra un parking de l'autre côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, ils ont déjà construit. Si on regarde là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On regarde là-bas et en face. En face. Il faut avoir la vision de l'église Nabino. Si vous avez l'église et Zouango, Yopé, Ozupé Ayo.
Je ne parle pas de fables. Je ne plaisante pas. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé te parler. Je suis convaincu de ce que je te dis. Que tu me croies ou pas, mais si tu retournes à l'Éternel, si l'Église a ici, là-bas et de l'autre côté, toi aussi, sur ton avenue, il faut déjà cibler les parcelles là qui mettent les désordres sur l'avenue. Moi sur mon avenue, ma femme le sait, ma poche est l'orizate, mais la vision, je sais déjà qu'il y a telle parcelle, je l'ai déjà dit. Je lui ai déjà dit, le jour où tu auras, le jour où on aura la grâce de se rencontrer sur mon avenue, tu verras une parcelle là en face qui n'a pas de portail. Il n'y a pas de portail. Mais portail, prophétiquement, il y a un ordre. J'ai dit à ma femme, pour que la délivrance entre sur cette avenue, même si on va quitter, mais la parcelle ici, on doit acheter ça. Na décennie au Yoga. Je prophétise pour moi-même. Lorsqu'il faut croire, je t'ai fait entrer dans la décennie des bâtisseurs. J'avais déjà oublié. Pendant que je prophétisais sur moi-même, j'avais déjà oublié que nous sommes pendant la décennie des bâtisseurs. Où est-ce que tu vas bâtir? Même si tu n'habiterais pas sur cette, tu n'habiteras pas sur cette avenue. Même si tu n'habiteras pas sur cette avenue. Mais cible déjà les parcelles où il y a les sorciers. Nous sommes là pour amener la délivrance partout où nous partons. Partout où nous vivons. Cible les parcelles. Dis-toi, Oyo, 2025, j'achète ça. Qu'ils le veulent ou pas. Prophétiquement, on va les déloger. Le royaume de Dieu doit s'étendre. Le royaume de Dieu doit s'imposer. La délivrance doit s'imposer. Vous savez, hein, les sorciers de nos familles, ils vont chercher les démons qui nous entourent pour nous détruire. S'ils ne sont pas à mesure de là où ils sont, de nous atteindre, ils cherchent nos plus proches voisins qui sont sorciers. Et par ces voisins-là, ils vont nous détruire. C'est pourquoi il faut cibler toutes les parcelles de sorciers de l'avenue. Il faut cibler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te parle calmement, mais tout en étant révolté. Tout en étant révolté. Moi-même, je suis révolté. Pendant ces 10 jours ici, Dieu veut que tu retournes à lui pour que tu puisses dépouiller les sorciers. Tu sais, hein, ton grand-père qui est au village a du mal à t'atteindre de lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est choisi les petits sorciers, les grands sorciers de l'avenir pour te détruire, pour détruire tes enfants, pour détruire tes biens. Mais là, ton travail étant serviteur, c'est quoi? C'est de déloger. C'est de déloger. Un bon moyen pour les déloger n'est pas seulement de prier, mais c'est aussi d'acheter leurs biens. C'est aussi d'acheter leurs biens. Pendant que je parle, la moni sous Owane Landiwana. Owana peut continuer la liste en abisso. Amen. Nazoye biso maramba solo. Nazoye biso maramba solo. Amen. Owana peut continuer la liste en abisso. Il y a des églises, hein? Ils viennent acheter. Non, pas ceux qui eux-mêmes ils viennent proposer. Alléluia. Amen. Ces églises-là n'ont même pas une décennie de bâtisseurs. Mais ils ont compris qu'ils doivent acheter. Et nous qui avons la décennie de bâtisseurs, nous sommes dans l'obligation d'acheter. Nous sommes dans l'obligation d'implanter. Nous sommes dans l'obligation de construire. Mais pour que nous puissions mieux construire, nous devons être avec Dieu. Dieu est là. Ce soir, là où tu avais laissé Dieu, c'est là où il t'attend. Ce qu'il voulait faire pour toi pendant ces 10 jours ici, c'est ce qu'il fera. C'est ce qu'il fera. Sans doute, il le fera. Lèvons-nous pour la prière. Lèvons-nous pour la prière. Lèvons-nous pour la prière.
Ces 10 jours ici ne peuvent pas nous passer comme ça. On ne s'habitue pas avec Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Et Dieu n'aime même pas s'habituer au peuple. Il n'aime pas. Il veut à chaque fois que nous venons dans sa présence que nous puissions expérimenter quelque chose de sa part. Avant toute chose, nous allons implorer le pardon des dieux. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner. Peut-être toi tu ne t'es pas retrouvé. Tu t'es dit que tu es irréprochable. Mais on va prier pour notre église. Nous voulons avoir une église forte.